Le rap si je suis réveillé au one shot. Rap master. Every day. To the hip, hip, the hobby, don't stop. Bienvenue dans cette émission, toute nouvelle émission, The Rap Masters. Aujourd'hui en présence de ma main DJ Fatalbert qui remplace ma main DJ Idem aujourd'hui. Aujourd'hui bien sûr sur ce plateau de Rap Masters, présenté par moi-même et ma main Seven Sons. Vous aurez l'occasion de voir des tout nouveaux morceaux, les tout nouveaux clips vidéo et plein d'artistes, des invités spéciaux comme aujourd'hui un invité très spécial. Mais juste une petite parenthèse avant parce que nous on présente cette émission, mais sachez que monsieur Fatalbert est aussi lui présentateur dans une émission qui s'appelle Pump Up the Volume. Et ça c'est tous les dimanches soirs de 21h à 22h. Cherchez pas ailleurs, y'a pas meilleur. Et c'est sur www.blackmusicstation. N'oubliez pas hein, Fatalbert. Just. Ok, c'est parti, maintenant on va accueillir notre invité spécial comme il se doit. Car aujourd'hui on a un invité spécial qui nous vient tout droit de Lausanne. My man. Hors forme, hors norme. Yeah. My man. Imperceptible. Yes. Comment ça va, monsieur? Monsieur le président. Tu vas bien? Tranquillos. Hors forme, hors norme sur le plateau de Rap Master, ça fait super plaisir. Yeah. Prends place, tu connais. Prends place. Il y a un micro juste là. Attention. Yes. Yo. Bah merci de l'invitation les gars. Et merci à toi d'être venu. Ah. Alors ça fait plaisir d'être sur le plateau de Rap Master. Bah ouais, enfin. Parce que j'ai suivi depuis le début. Donc je me suis dit, mais quand est-ce que vous allez m'inviter? C'était bien le moment. Le jour est là. Exactement. Loin, qui sait attendre. Exactement, la patience. Et puis big up à vous. À vous deux en tout cas pour ce que vous faites. C'est parce que je me souviens, mec, tu m'en parlais il y a 2 ans. Comme quoi tu voulais mettre ça en place. Et moi je dis big up. Et prenez-en de la graine, les gars. Prenez-en de la graine. Faites des choses. Peace. Big up. Big up. Eh ben tu connais, maintenant que tu t'es présenté DJ Fatalbert. Right. Et bien sûr tu connais ma man Seven Sir. Obligé. We know. Et moi-même MEX. So what's mec? Si. Conçu pour tous ceux. Monsieur Imperceptible, conçu pour tous ceux qui n'auraient pas reçu leur leçon. Right. Black Phenomen. Si. Le mec. Je fais comme on m'apprend à faire à la télé Bourdon. Pas de soucis, mec. Ben là, on est là pour apprendre à te connaître un petit peu. Yes. Toi, tu rappes depuis super longtemps, quand même. On va dire... écoute, j'ai quoi? J'ai 26 piges, je vais sur mes 27. Je rappe depuis l'âge de 14 ans. D'accord. Donc, j'ai vraiment envie de dire sérieusement, ça fait 10 ans. 10 ans, ok. Ouais, 10 ans. Bien sûr, et en plus, comme tu pratiques certainement pas tous les jours, t'as d'autres trucs à faire. 10 ans, c'est bien, c'est un grand mot, quoi, en fait. Bah, je pratique tous les jours, dans le sens où je m'oblige. Enfin, c'est même pas m'obliger, parce que j'ai toujours du son avec moi quand je prends le train pour aller en cours. Il y a toujours du son, des instrus, un papier, un crayon. Un stylo plus précisément. Donc essayez d'écrire un 16 tous les jours histoire de garder la forme. Mais bien sûr, à fond. Dis-nous imperceptible. Yes. Déjà, pourquoi imperceptible? Voilà, pourquoi imperceptible? Je pourrais faire le gros relou et te dire pourquoi pas. Ou vous dire pourquoi pas. Tu pourrais. Mais si tu veux faire le roi énorme, l'anecdote elle est simple. Quand j'avais enregistré mon premier son pour l'album de Sky, le son 2 en 2006, Sky m'avait demandé, mais c'est quoi ton blaze? Est-ce que c'est ton prénom? Mon prénom qui est Onya, O-N-Y-A. Ok. Et puis j'étais là, non, j'ai pas envie d'utiliser mon prénom. Ouais, mais Onya, ça tue, c'est un bon blaze. Et j'ai dit non, laisse-moi le soir et je te donne le blaze. J'ai ouvert le dictionnaire au bol. J'ai regardé, je suis tombé sur IM, j'ai cherché le mot, l'adjectif qui me correspondrait le plus et c'était imperceptible. Et puis, ça te correspond très bien. Hein. Ah, exactement. Parce qu'on peut pas trop te percepter. Percevoir. Percevoir. On te perçoit par contre, ça. Yeah. Si. Donc voilà l'histoire. Ok, plaisir. Et toi bien sûr,
t'as de l'expérience là-dedans, parce que toi tu fais partie de Hors Form Hors Norme. Exactement. C'est juste que la plupart des prods sont faites par Skyle. Bon, alors pour mon micro projet, oui, qui est on en parlera d'ailleurs ici. Tout à l'heure qui est ici. Ben, justement, c'est un projet qui a été fait avec Sky, le grand patron d'Hors Form Hors Norme, celui qui a créé Hors Form Hors Norme. Si. Et c'est lui qui a la prod. Big up d'ailleurs. Tout, Sky, exactement. Big up Sky. Big up. Et donc voilà, c'est lui qui a fait toutes les prods de ce micro-projet, 8 cool. tracks. Et c'était la même chose pour le micro-projet de Vermino qui était sorti au mois de décembre. C'était lui aussi qui avait tout composé. Qu'on big up d'ailleurs. Verminax. Aïe, on va juste faire une petite parenthèse avant, parce qu'on a déjà parlé de tout ça aussi un peu avec Vermino. Yes. Vous avez sorti une compil qui s'appelle OO2. Yes, c'est juste... exactement, qui est arrivée au mois de mars. D'accord. Et qui comprend 18 tracks. Avec des producteurs comme Sky, Willy Sunshine et Hades. Hades, ok. Hades, voilà. Oh, très bien. Hades, et ça, en fait, c'est l'équipe Hors Form Hors Norme. C'est l'équipe Hors Form Hors Norme et avec des invités comme Speech, Mamen Dilem, Rocco Belli, d'accord. Nostra, Nesby De Niro, Belli, Toffi Jamabia. Okay. Et voilà, pour citer que. Dont la plupart font partie du collectif Hard Life, c'est juste. Alors, Belli, Nesby, Toffi font partie, ouais, effectivement, du groupe, du label Hard Life, y compris Tenor qui est aussi sur la compil aussi. Si. Donc, voilà. Big up, big up de T. T'as parlé de Hades. Hades. De Elvisio. Exactement. D'Impact de Rime, anciennement Impact de Rime. Exact. Big up aussi, voilà. Alors, Hades. Vous savez qui on était, Impact de Rime à l'époque. Exact. You know that. I know that, man. You know, man. Eh bien, ça dit qu'on regarde vite fait un extrait de OO2. Yes. OO2 qui veut dire hors forme, hors norme 2. Voilà. C'est la compil qui vient de sortir. Exactement. D'ailleurs, attendez deux petites secondes, elle est juste là. Regardez bien. En plus, elle est gratuite. Elle est gratuite. Elle est gratuite. Mais, ouais. Servez-vous. Ah, attention. Et le clip, c'est Humanoid Rap de Nocti. Humanoid Rap, justement, produit par Skyle. Voilà. Et c'est Nocti de Cazeneuve. Maigre, exactement. 20ème, pas Joujou. Big up, tonton. Et ça, c'est dans Rap Masters. Big up. Ça me donne, je parle, laisse flow, cause pour, non c'est pas ça, ambiance sale, promo et drap de rime, on a l'estime de nous-mêmes, du temps mon corps, je taffe pour que le chétan crème, sale vibe, ça c'est la planète Terre, homme de baisse, c'est mon atmosphère, provoque ta sensibilité, c'est ma façon de faire, plusieurs textes, même histoire, c'est normal, c'est le même gars, et donc une suite logique, vite, c'est notre taille, pour pas casse, va dire ça, tout est grave, vite, clip. C'est ça que je fais dans ton crâne, j'apprime des images, t'es mon imprimante chic, t'es mon imprimante chic, j'ai arrêté de me sous-estimer donc juste hier j'ai découvert une nouvelle façon de respirer, je suis à l'ouest, mais à rien que du sens, donne-leur ma direction. Puis tous tes rappeurs cherchent un tube, moi je vois un putain de son Sky, mais vas-y tape bien sur ta MVP. Tu sais qu'on a les outils pour tous les faire triper. Tu sais qu'on a les outils pour tous les faire suicider. On a besoin de silence, laisse-les entendre ce que je dis, puis laisse-moi kiffer. Ce que je dis pas entre les lignes, c'est ça qui les fait kiffer. J'ai éduqué mon rap, en tête à tête j'ai dû lui causer. Vu toutes les merdes qui sortent, faut pas qu'ils se laissent entraîner. À contre-sens je vais, les gars me disent insensés. Comprennent pas que je préfère taffer que de me prostituer. Puis laisse-moi seul dans ma piscine salée. Charlie, j'attends ma case, on va vous endommager. Merde. Nocti, Big Up. Ce clip a été réalisé par qui déjà? Veli et qui est Akutong de la Case Nègre. Excellent. Qu'on Big Up aussi d'ailleurs. Right. Tonton Akutong. Donc Monsieur Imperceptible. Mr. Mex. On va parler de toi un peu plus précisément. Ok. Toi Monsieur Imperceptible, t'es universitaire en fait. Exactement, dernière année de bachelor à Genève en communication et management d'entreprise. Communication et management d'entreprise, yes. Excellent. Alors merci. Ça fait plaisir de voir que des rappeurs comme toi se donnent aux études quand même. Bah il faut. Il faut. On va dire qu'il faut si on veut essayer d'être bien. Ok. Donc il faut se donner les atouts quoi. À fond. Et là t'as sorti un micro projet en fait. Exactement, qui est sorti le lundi 23 avril. Ok. Qui est disponible chez Outsiders,
chez Discabrac. Discabrac sur le site www.hors-format-en-norme.ch ou .com. www.hors-format-en-norme. Et sur iTunes. Ok, excellent. Et dans la rue si vous me croisez. Ah, right. Vous voilà. Faites comme avec Vermineux, vous y sautez dans son sac. Exact. Exactement. Faites seulement. Et puis en fait, dans ce micro-projet, Dino, d'ailleurs, vous avez remarqué, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, dans quelques secondes, vous allez voir le changement. Vous allez voir exactement la même pochette, mais ce ne sera pas la même personne. Oui, c'est parce qu'en fait, ce micro-projet a été fait par la même maison de production, c'est-à-dire Hors Format En Norme. Exactement. Et la personne qui a fait la pochette est Madame Sybille Stöckli. Sybille Stöckli, ouais, okay. Exactement. Qui a fait la plupart, qui a fait la majorité des pochettes des produits Hors Format En Norme. Eh ben bravo. Hein, et en fait, il fallait respecter une ligne de conduite, une sorte de suite, entre guillemets, logique des micro-projets. Bien donc sûr. Vermineux tenait d'un certain profil et puis moi, excellent. C'était l'inverse. Et après, pour les prochains, on verra. C'est une espèce de charte graphique, plaisir. En fait. Mon exactement, ça, t'as quoi, tout ouais. Compris. Un peu la remercier, Sybille. Bravo. Sybille Stöckli, big up, patron. Si. Et dans en fait, ton micro-projet, il y a combien de tracks? Il y a 8 tracks. 8 tracks, comme celui de Vermino aussi. Ok, je t'avoue, j'ai pas pu l'écouter, j'ai pas eu le temps ces derniers temps. Pas de soucis, mais mec. T'inquiète pas, je le ferai obligatoire. Ah, j'espère, mec. Et puis, featuring, t'as qui comme featuring? Alors, il y a Nocti de la Case Nègre, il y a Chaka Zigno de Touch the Sky. Zigno. Oui, Chaka Zigno. Ah, oui, qu'on connaît bien Bigo. Ici, absolument. Okay. Nocti, Bigo. Il y a Bola et Dioxy qui forment Tuile Records, c'est un groupe des Palanges. Ok. Il y a mon pote et ami à moi, Dilem. Il y a Veli. Il y a MOH. MOH. Et Bigo. Nostra. Ouh. Nostra. Voilà. C'est cool, c'est une belle brochette de rappeurs. Voilà, bah, j'ai vraiment pris avant tout bah, les gens avec qui je suis proche, avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et puis un coup de cœur qui était Tool Records. Ok. Donc Bola et Dioxy. Voilà. Excellent. Ça fait c'est plaisir. Ça. Et puis bien sûr, il y a eu toi, il y a eu Vermino. Mm-hmm. Et on se demande, il y en aura d'autres après, tu sais? Il y en aura d'autres, mais pas tout de suite. Okay. Parce qu'il s'avère que Skyle, il a des nombreux projets. Que ce soit ben, le sien, son projet personnel qui est Beacon Records. Okay. Là maintenant, il y a un collectif qui s'est monté qui s'appelle Le Flow, qui est la réunion en fait, de Bob le Zombie, Hades et MOH et puis Skyle. Okay. Donc voilà, il prépare un album, il y a des titres qui ont été faits et c'est très 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 méchant. Et il y a encore plein d'autres surprises, autant il y a K avec qui il va justement faire un projet avec Skyle, okay. Qui va s'appeler The Cap and the Cat, si ça annonce bien aussi, mais avant K va venir avec un autre projet. Enfin, il y a plein de projets qui vont arriver avec Hors Format en Norme, autant Amnesty et SCA, qui ont fait un album en commun qui s'appelle Liberté, qui arrive au mois de juin. Ok. Donc en plus, il sera encore gratuit. Amnesty et SCA lui-même. D'accord. Le Parisien. C'est un Parisien qui était un temps avec très proche de la Secret Connection. D'accord. Il faisait partie du groupe Un Barrio 5 Esprits. Ah d'accord. Donc okay. gros old-timer et gros performer encore à l'heure actuelle. Donc big up à toi, CR, et à l'or noir, Kinan. Excellent, ça fait plaisir. Voilà. Donc là, on va vite se jeter un petit coup d'œil sur un clip solo à toi, en fait. Voilà. Et en fait, qui n'est pas dans le micro-projet. Non, il est issu, en fait, de l'album de Nocti Emo, une journée hip-hop. Exactement. Et c'est une interlude qui s'appelle Camon Blast, qui s'appelle Imperceptible. D'accord. Alors, voilà. On va regarder Imperceptible. C'est dans Rap Master, par Style. Et exactement. Le clip a été fait par Queen Lou, film qu'on big up d'ailleurs. Et c'est mon film. Et c'est mon film. Et c'est mon film aussi. Ouais, exactement. C'est mon film qui a filmé. Voilà. Et c'est le film qui a produit. C'est Tonton K, c'est Monsieur le Général Big Up. Monsieur Big Up, monsieur. Bounce. Point levé tel des Black Panthers, survêt Adidas, Lino sur l'asphalte, B-Boy s'entraînant avec rage, ghetto blaster, donnant la rythmique, des têtes bougent de bason, c'est l'effet boom bap authentique, hip-hop addict, appuyant sur le stylo brick, éducation, passant par la FF à lunatique, alimentation principale sous QB, c'est donc du M.O.B.B, plus du Nas qui au basque, Stan Smith ou All-Star, dans le casque, hiéroglyphique, c'est gangstar, imperceptible et le pack, peu de rap contact, besoin d'un nouvel impact, dépôt de ces quatre dans les bacs. En forme en homme sur le track, t'inquiète, y'a pas de micmac. Au siècle d'Obama, baraque, la fête n'a pas de barque. Trop de
continue en vrac parce que trop de voleurs de tract. Sans unité, rien ne restera intact. Tel des Black Panthers. Sur le plateau de Rap Masters, toujours en présence. Toujours présent. Même DJ Fatal Bear aussi. Fatal Bear. Ça se passe toujours. Ah, il te fait plaisir. Là, on est de retour sur le plateau de Rap Masters. Tout à fait, monsieur. Et je voulais savoir, ça a tourné un peu le micro-projet ou quoi? Bah, ben, écoute. Fait combien d'exemplaires en fait? Alors, en fait, on en a pressé 1000 pour une question de coût parce qu'il s'avère qu'on pressait par exemple 500. Était plus cher, enfin il y avait une petite différence de prix qu'on pressait 1000. Donc avec Skyle, on s'est dit, bah vas-y, on en presse 1000, la différence est vraiment minime. Et puis voilà. Mais pour l'instant, écoute, moi je vais pas te mentir. Pour l'instant, on rentre gentiment dans nos frais. Et heureusement, tu vois, que j'ai des potes, enfin j'ai une base d'amis solides, qui m'aident en vente, que ce soit à l'Uni ou quand ils sortent en soirée. Et big up à toi, Tonika. Big up. Big up. Hein. Et d'ailleurs aussi à ma main Keijin qui est là. Keijin est là. Il faut pas la rater lui. Donc pour l'instant ça va, je me fais pas de soucis. Moi je compte pas en vendre 1000, je m'en fous, je fais de la musique, c'est du cœur que je veux donner aux gens, c'est de l'amour. Par amour du truc comme dirait personne. Par amour du son. Exact. C'est ça qu'il faut. Tout à fait, c'est vrai. Parce qu'on a ça dans le sang. Aight. Et tu le ressens. Hein? Ben en fait toi, mine de rien, tu tournes. Souvent en fait avec toute l'équipe hors forme hors norme, vous faites beaucoup de concerts ensemble. Surtout avec Nocti MO précisément. Voilà. Et là, il s'avère que maintenant avec l'équipe hors forme hors norme, on va faire une première date samedi 23 juin à l'Amalgame d'Yverdon. Okay. Où il y aura les artistes du label. En tout cas une bonne partie, donc Bob le Zombie, Hades, MOH, Vermino et moi-même avec des guests qui étaient composés sur la compile mais qui sont proches à nous. Donc il y aura des surprises assez intéressantes. Excellent. Des bonnes collaborations. Ça fait plaisir. Mais vous avez fait tellement de trucs même dans au-delà des préjugés, carrément. Exactement, ça c'est moi en fait si tu veux. Skyle, en plus t'as un t-shirt de au-delà des préjugés. Je vais faire. Montre-leur. Je fais un striptease. Vas-y. Mex. Sur du rap. Plus sûr de la clique, merde. Voilà les t-shirts de au-delà des préjugés qui est d'ailleurs très très bien. Dédicace à José de Santos. Joe, vas-y, ramène-toi par là. Big up. Pour une fois, on lui fait faire quelque chose à Joe là. Excellent t-shirt, d'accord. Ouais. Il a pas de mal. Très beau t-shirt. Franchement, j'aime bien. Ah ouais, JTS, c'est une association carrée. Ouais, donc si tu veux, j'ai eu le contact par Skype parce que José voulait faire pour son festival de 3 jours une soirée en fait, une soirée live. Voilà. Donc Skype m'a mis en contact avec et voilà, je lui ai proposé plusieurs artistes. Et en tête d'affiche, il y avait eu Arsenic. Et j'ai eu de la chance de pouvoir lui proposer grâce à Daniel Ewan et de Cobra, big up tonton. Et aussi grâce Daniel. Au général K8, Quilou Film. Bien sûr, K8. Et donc voilà. Général, monsieur le président. Tonton. Exact. Et puis bien sûr aussi, il y a eu une série de soirées vous faites en fait. Il s'appelle Hip Hop is Beautiful. Ouais. Alors ça c'était les soirées Hip Hop is Beautiful, c'était avec Nocti et sa femme Cindy et moi-même. Donc tu connais le concept vu qu'on t'avait invité aussi à chaque fois qu'on faisait des sessions radio après quand on affirmatif BID Radio d'ailleurs. Exactement. Big up monsieur BID Moral. Universal Moral. Merci David Moral, ça fait super plaisir. Exact. Un bon animateur. Donc ouais, on a fait ces soirées là Hip Hop is Beautiful. Il y en a une qui revient tout soudainement, mais je laisserai Nocti en parler. Ah ouais, c'est tranquille. Pour bientôt, ça fait plaisir. D'ailleurs Nocti qu'on va recevoir bientôt avec MOH sur le plateau de Rap Masters. MOH. Et vu qu'on parle de lui, de Nocti, de MOH, parlons aussi de Nesby Dinero, de toute l'équipe Hard Life même. Ouais. Surtout Outstage Media qui a fait le clip qui s'appelle Rat Race. Issu de l'album Une Journée Hip Hop Une Fois de Plus. Issu de l'album Une Journée Hip Hop Une Fois de Plus et c'est dans Rap Masters. On va regarder ça tout de suite.
chasse au gris, brûle les murs des chemins de fer. Dans ça même le bitume est au sol, les jambes dans les airs. Une culture qui braque sans qu'ils mettent les mains en l'air. Pas une attitude, un mode de vie, ancré dans la chair. Dépense peu pour faire plus. Chaque cave, une cave pour que la cabine transpire et la reprend le bus. On use et abuse des mêmes astuces. Tu sais que derrière un, y'en a 15 comme dans les poupées russes. À traîner dans les couloirs ensuite. Courir pour pouvoir rester dans le riz. Parce qu'on est juste trop dans la même suite. On se multiplie vite, y'a 20 piges qui pouvaient prévoir. Alors avec le temps, beaucoup des nôtres sont devenus mémoire. Les choses avancent mais changent vite, au mieux ou pas. Pas pour tous, y croient ou pas. Il pourrait même y avoir des bas. Une race de race, aucune idée. Comme le monde qui nous entoure. T'arrêtes pas dans les détours, car c'est maintenant qu'il faut être là. Le rat traîne toujours avec les ordures. Mort au rat. Le rat te prévoit toujours une morsure. Mort au rat. Mon rat frappe ou droit toujours les mesures. Mort au rat. Les cernes à l'odorat. Ce soir c'est mort au rat. Cours, cours à l'usure. T'as vu la rue t'aura. Cours, cours à l'usure. T'as vu la rue t'aura. 117 grammes morts sur l'avenue. Abracadabra. 117 grammes morts sur l'avenue. Abracadabra. Rap yeah. Master. Donc, Thiemo, ils sont dans une journée hip-hop. Uh-huh. Et le clip a été produit par Offstage Media. Offstage Media, juste. Uh-huh. Et c'est dans Rap Master. C'est parti. Ouh. M'amène imperceptible. Monsieur Mex, MEX. Ça va toujours? Bien, toujours. Ah bah à l'aise, comme à la maison. Comme à la maison. Bah oui. Ça fait plaisir. Exactement. Et si on fait un petit point, si on faisait un petit point sur tes références musicales? Ouais. La question que j'adore. La question que tout le monde adore dans Rap Master. Tout le monde adore, bah, à la je vais te dire quoi. Quand j'étais jeune, enfin voilà, j'ai été bercé au son de mes parents, funk, soul, musique africaine, rumba congolaise, rumba. Du Papa Wemba, du Kofi, du Werrason. Excuse-moi, je vais te faire une parenthèse là maintenant. Sachez que monsieur, imperceptible, vous pouvez voir là, vous avez peut-être l'impression de l'avoir déjà vu dans Rap Master. Mais non, car c'était son petit frère. Danny King, ouais. Exactement. The main exactement. Danny. Son petit frère qui fait Danny King, de la musique, qui fait du rap. Ouais. Mais bon, exact. Qui a un rap un peu plus récent. Mm-hmm. Comme, ouais. comme nous, on est les vieux nouvelle génération. Nouvelle génération, exactement. Et il fait bien son délire. Il fait très bien son délire. Donc, Frangin. Big up. Ben oui. Real. Yeah. Alors tu disais donc. Donc ouais, musique africaine, soul, funk, pas mal de rap. Donc ouais, rap. Enfin moi j'ai surtout commencé par le rap français. Donc toute cette vague Time Bomb, Bostile, FF. Bien sûr. Ouais, tout le côté obscur, la rumeur, Doing Damage. Yes. NTM. Cela va de soi. Un petit peu d'Assassin, le Secteur A. Cela va sans dire. Je pense que j'ai été à bonne école grâce à un ami d'enfance, Jimmy Salcheger. Voilà, Jimbo Karimbo. Big up, Jimbo. Voilà. Parce que grâce à toi, je confirme et j'affirme. T'es allé à la bonne école, oui. J'ai essayé. Donc, ouais. Puis après, j'écoute du rock, de la bonne pop. Mec, je suis. Y'a pas de frontières, mec. C'est un méloman, mec. C'est ça qu'il faut. Yeah, laisse tomber. Voilà. Et tu peux puiser plein de trucs dans chaque style de musique, mec. C'est ça. Voilà. Et si on approfondissait tes références? Tu veux me faire un quiz ou quoi? Un petit quiz. Le petit quiz d'ailleurs. C'est ça qu'ils veulent. Le petit quiz qui d'habitude s'appelle le quiz de DJ DM. Mais malheureusement, DJ DM n'est pas là avec nous. Non. Donc ce sera aujourd'hui le quiz de Mr. DJ Fat Albert. Rap Master. imperceptible. Ouais, pas de soucis, tranquille. Pardon. Vas-y, même les deux si tu veux. Imperceptible. Si voilà. On fait comme ça. Je suis très habitué à dire ça. C'est pour ça que ça fait un moment qu'on se connaît quand même. Voilà aussi, à fond. C'est clair. C'est clair. Tu connais le principe du quiz? Alors, je l'ai vu sur YouTube ou stéréotype.ch. Donc, t'as oui, vu, je connais. Verminos qu'il a fait comme. Ouais, ouais, bah, Verminos, ouais. C'est un salopard. Lui aussi, il est allé à bonne école. Il est allé à bonne école. Mais oui. Enfoiré, ben, enfoiré. Ouais, vas-y. Bah c'est simple, il y a 4 catégories, 4, il y a
français, ricain, suisse, okay. Et reconnaître les originaux des samples. Que choisis-tu? Ah, français, français. Français, hein, français. Direct. C'est tout le monde qui choisit français. Ah. Direct. Donc, j'ai Fatalbert, t'as du français dans ton laptop. C'est nickel, Fatalbert, en deux temps, trois mouvements. Y'a pas mieux, y'a pas meilleur ailleurs que dans son émission dimanche soir, 21h à 10h. Pump up the volume. Pump up the volume. Premier morceau, Fatalbert. Haha. Alors ça c'est sur la compile Hostile, la première, et c'est Polo. Okay. C'est Polo, c'est voilà. Clic clic, je n'ai plus de batterie. Damn, you know what it is. Mon chargeur, je me sens mal. Clic clic clic, je n'ai plus de batterie. J'ai vidé mon chargeur, je me sens mal. Aïe, deuxième morceau dans le quiz de Fat Albert. Aïe, you know. Ah, ATK. ATK. Avec Zexy sur la compile Nouvelle Donne, la première où il y a les deux mains qui lancent les dés. Voilà. Attaque à Mike Armé. Attaque à Mike Armé, exact. Excellent, excellent. Tu nous c'est un de tes morceaux préférés d'ailleurs, c'est vrai. Car ça nous rappelle vraiment une très très bonne époque de notre enfance. Ah. Merci beaucoup. Ah. Ça, c'est le continue comme ça. Troisième morceau. Rap Master. La Clica, dernier jour sur Terre. Sur le, l'album qui s'appelle La Clica aussi. Exactement, La Clica. Il y avait Daddy qui dans le groupe voilà. Roca, Raphaël. DJ. Ah, j'ai oublié le nom du DJ. Le nom du DJ, je me rappelle plus non plus. Je crois que c'était Chimiste, quelque chose comme ça. Je savais même pas que c'était un DJ à base. Ouais. DJ, beatmaker. Raphaël, Daddy Lorty, Roca bien sûr. Kondo aussi qui était là, mais pas sur cet album, il n'y est pas. Il était sur le premier, enfin le EP conçu pour durer. Ok. Puis sur la compil Arsenal représente le vrai hip-hop. En tout cas, on voit là l'expérience, ma man. Imperceptible, ça fait putain de plaisir. J'kiffe. Allez, quatrième morceau dans le quiz de DJ Fat Albert. Oh. Shut the fuck. Alors ça. Ah bah la rumeur. Et là c'est Echo qui rappe. Ok. C'est. Ça c'est sur quoi? C'est dans Poison d'avril. Ok. Poison d'avril. Merci. Quelle précision. Fat Albert. Merci. Le coup monté, c'est à dire. Monter le morceau. Allez, dernier morceau dans le quiz. De DJ je rappe Fat pour Albert. Rien Oxmo Puccino Danny Dan. Ouh. C'est la première fois qu'on voit ça. Alors là, franchement, la sarpée ovation. Monsieur le président. Tous les honneurs. Tous les honneurs, mon pote. Plaisir. 5 sur 5. Et on voit qu'il est à la même époque que Vermino, 5 sur 5. Ah bah, ça arrive pas à te le dire. Vermino, c'était aussi morfourgueur de rap français parce que lui, il allait tout le temps sur Paris ou sur Marseille, il revenait avec des trucs de ouf. Ouais, il suffit d'aller chez lui, il y a toute la panoplie de rap français. Skifo, mixtape, vinyle collector, CD. Vermino. Franchement, on peut dire, il y a des gens qui s'y connaissent et toi, tu fais vraiment partie des gens qui s'y connaissent. Rap français, je me débrouille pas mal. Sartek Warla. T'as vu, si, si. En tout cas, merci DJ Fat Albert. Fat Albert, t'es des vrais sons. Merci beaucoup. Aïe. Que des vrais sons. C'est vrai que le quiz n'était pas aussi difficile que celui de DJ Idem. DJ Idem a une dent contre les rappeurs. C'est soit ils savent bien faire les choses. Ouais. Donc c'est pour ça, lui, direct, il te laisse pas le choix. Lui, chaos technique direct, il te met et ça. Quoi. Ok. Ok. Bon, là, on a fini le quiz. C'était un superbe quiz. C'était une superbe émission d'ailleurs. J'ai une question à te poser. Dis-moi. Est-ce que tu pourrais nous faire part de tes talents exceptionnels de rappeur juste à la fin là en faisant un petit freestyle de Rap Masters? Moi, bien sûr. Fait plaisir. Ok. Merci beaucoup. Pas de soucis. Bah, merci à vous. Seven Sons. Voilà, merci. Mr. Max. Merci à toi, mon pote. DJ Fat Albert, merci. Et à tous les camaramans, Monsieur Street Dreams Film, Monsieur Joe, Madame, Monsieur Joe Kent, et Dorine, directrice artistique. Et orformornorme.ch. Une journée hip-hop toujours dans les packs. Une journée hip-hop. Micro-projet Sky et Vermino toujours dans les packs. Puis de toute mon façon, si vous vous rappelez dans les packs. De tout ça, voilà. Il suffit d'aller sur stereotype.ch ou sur rapmasters.ch. Vous trouverez tout ça. Vous trouverez tout ça. Toutes les informations. Internet, voilà. Du concentré efficace. Voilà, à part ça, tu sais quoi faire ce week-end? Non, mais je vais te faire confiance.
confiance, Evans. Tu veux faire confiance à Seven? Ouais, ok, ouais, bah, on va je vais lui faire confiance. Alors c'est parti, agenda de Master Seven Sons. Arrête. Et l'agenda démarre ce soir avec une bête de soirée, le concert de Sniper au D-Club de Lausanne. Yes, c'est à partir de 21h30 et il y aura Hulk Henry, il y aura Jarod le Caméléon, Sven, Rimeur de Rue, DJ Idem, DJ Menace, DJ BS et DJ Ozo. Et c'est 35 francs d'entrée, alors venez nombreux, nous on y sera en tout cas. Et ensuite, on a End of the Week, le vendredi 25 mai, évidemment, édition spéciale Vinyl Club. Les portes ouvrent à 22h et les concours sont à 22h30 avec les DJ G-Dubs et Kama, ainsi que le live de Nocti et MOH, gros plaisir, et Jay Lanson. L'entrée sera de 10 francs sur place. Et aussi le vendredi, à la Casa Choc de Neuchâtel, on a la soirée Black Disco, animée par DJ Idem et Hakim. The Funk Brothers are back. Ouverture des portes à 23h, prélocation sur Petit Ticket, c'est 20 francs et 15 francs avant minuit. Et ensuite, on va clôturer cet agenda avec la soirée Rosé, yes, au Loft Club, ce samedi 26 mai, à partir de 23h30, avec DJ Lacey, DJ Bryce Breezy, DJ Mathématique, DJ Big Daddy et DJ Yoxon. Voilà, ça sera tout pour cet agenda. Il y a beaucoup de DJ, je sais, mais c'est comme ça. Allez, la promo pour everybody. Peace. Yeah, yeah. Merci ma man 76. Quel agenda, un agenda exceptionnel. Comme d'habitude, comme d'habitude, franchement, c'est Tech World. 76. Alors, ma man un perspective. T'es opérationnel pour un petit freestyle ou quoi? Ouais. T'es opérationnel pour faire péter les watts ou quoi? Pour faire péter la sauce. Opérationnel. Ok. Bah alors le freestyle c'est maintenant ma man Fatal Bear, t'es opérationnel. Alors c'est parti ma man. Fais confiance de toute façon. Check, check. Allez, on voit tout ça en deux temps trois mouvements. En forme hors norme. Alchimie radicale, big up. Hard life, Kejin. Giuliano, proto, prod, point, le VTL des Black Panthers. Sur Vette Adidas, Lino sur l'asphalte, du boy s'entraînant avec rage. Skate au blaster, donnant la rythmique. Des têtes bougent de bason, c'est l'effet boom pap authentique. Hip hop addict, appuyant sur le stylo pic. Éducation passant par la FF à lunatique. Alimentation principale sous QB, c'est donc du MOPP. Plus du Nas Nasty au basque. Stan Smith, World Star dans le casque. Hiéroglyphique, c'est gangstar. Imperceptible le pack. Peu de rap contact, besoin d'un nouvel impact, dépôt de C4 dans les packs. En forme en norme sur le track, t'inquiète y'a pas de micmac. Au siècle d'Obama baraque, l'Afrique n'a pas de bar. Trop de continents vrac, parce que trop de brûleurs de track. Sans unité, rien ne restera intact. Baisse, mange, Vichy, pop, hein. Micro projet dans les packs, hein. Big up, big up, big, rap big, master big, big up. What rap, 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 master. Imperceptible. So what next? Ça c'est du freestyle. Et on va aussi remercier aujourd'hui après cette émission magnifique. Merci Imperceptible. Hein. Sérieux. Attends, faut que je fasse un cœur avant tout. Attends. On va remercier ma main DJ Fatal Bear. Fatal Bear. Il faut pas oublier qu'il a son émission. Il faut pas oublier. Hein. De 21h à 22h. De 21h à 22h. Yes, merci Fatal Bear. Up the volume. For real. Le dimanche soir. Oh, pas meilleur ailleurs. C'est juste, hein. C'est déjà quoi le redis-moi le Pump up the volume de 21h à 22h tous les dimanches sur Black Music Station. Cherche pas ailleurs, y'a pas meilleur. T'as entendu? T'as entendu? C'est lui, hein, c'est lui qui présente, ça fait super plaisir. Et c'est tous les dimanches soir, ça fait super plaisir. DJ Pat Albert. Et nous, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine avec qui? Ah, ça, c'est toi qui va me dire. Un autre invité spécial. Et c'est dans Rap Masters. Merci, ma mère. Merci à vous. Ciao. À la semaine prochaine. Peace.
Le rap si je réveillé au one shot. Rap master, every day. This is rap master. C'est le game six. Le rap si je réveillé au one shot. Rap master, every day. This is rap master. C'est le game six. Le rap si je réveillé au one shot. Rap master, every day. This is rap master. C'est le game six. Le rap si je réveillé au one shot. Rap master.